Yep, tout le monde, c'est Aurel. Aujourd'hui, on se retrouve pour un animé opening quiz. Pour ceux qui ne connaissent pas, en gros, on va avoir quelques secondes d'une musique, d'un opening d'animé, et le but, c'est de retrouver l'animé en question. Il y en a 20 dans celui-ci. Je vous mets le lien de la vidéo en description. Et du coup, je vous laisse mettre les scores que vous avez trouvés dans les commentaires de la vidéo, tout simplement. On va démarrer tout de suite. Donc voilà, c'est du facile, moyen, apparemment. Alors, je reste souvent dans les faciles moyens quand je fais un quiz d'animé opening, tout simplement parce qu'en fait ça dépend un petit peu de si l'animé a été fait chez nous en VF ou est-ce qu'il est dispo sur un site de streaming ou des trucs comme ça. Donc selon les régions, par rapport aux Américains par exemple, on n'a pas forcément les mêmes animés connus ici, donc ça peut être un petit peu plus compliqué. C'est pour ça que je fais gaffe à pas prendre non plus des quiz trop compliqués, et je reste souvent dans les médiums easy, histoire que vous puissiez participer et que moi aussi je puisse participer correctement. Du coup, on est parti et on va bien voir quel est notre score. N'hésitez pas à les mettre en commentaire comme d'habitude, et le lien de cette vidéo est dans la description, enfin du quiz est dans la description. Donc on a 15 secondes apparemment. Et ils nous disent de donner notre meilleur. Eh bien, écoute. Donc ça, c'est Fate Zero. D'ailleurs, il faut que je regarde cette saison de Fate. Bon, Fate, il y en a tellement dans tous les sens que c'est compliqué. Assassination Classroom? Yes, c'est ça. Bon, vous voyez, je réponds à chaque fois quand il y a le 3-2-1 qui est mis, comme ça vous avez le temps aussi de trouver de votre côté. Full Metal Alchemist? Brotherhood, et je crois que c'est l'opening 4 si je ne me trompe pas, même. Grave stylé, mon préféré d'ailleurs. Mob Psycho 100. Je crois que c'est Evangelion, je suis pas sûr, mais on se le tape à chaque fois. Ouais, c'est ça. On se le tape à chaque fois que je fais un quiz d'opening, et c'est de là que je le connais. Bon, bien sûr, Hunter x Hunter, hein. One Piece. Sous l'éther. Grave stylé, je conseille à ceux qui n'ont pas vu. C'est un petit peu plus vieux, du coup, c'est vrai que vous avez peut-être pas forcément regardé pour les plus jeunes, mais n'hésitez pas, c'est ouf.
J'ai envie de dire Cowboy Bebop ou un truc comme ça. Ah non, Baccano. Ça faisait trop penser à Cowboy Bebop, je sais pas. Bon, c'est un truc de détective sûrement, ou quelque chose comme ça, policier-détective. Je connais pas du tout. Bleach. Alors là, je connais pas du tout par contre. Doudala, oh, mais en plus, je me le tape à chaque fois aussi dans chaque quiz ce truc là, je crois. Oh! Bon, My Hero Academia du coup. Le tout nouvel opening. Que moi j'adore perso, je sais qu'il y en a beaucoup qui l'aiment pas, mais moi je kiffe. Je crois que c'est Noragami, je suis pas sûr. Ah oui, c'est ça. Le refrain est beaucoup plus simple à trouver par contre, parce que là, le morceau qu'ils nous ont mis était pas facile. Je connais pas du tout. Oh, Pandora Hearts. Bon, je connais deux noms, mais... jamais regardé, je sais pas si c'est bien. Et si jamais vous, il y en a un que vous trouvez bien, que je dis jamais regardé, n'hésitez pas à le conseiller dans les commentaires. Nanatsu no Taizai. Yeah. Tadam. Gurren Lagann, je crois. Ouais, yeah, c'est ça. Bon, IQ, évidemment, classique. Que je conseille si jamais, même si vous aimez pas le sport, que vous aimez pas le volley, tout ce que vous voulez, IQ, c'est un truc à voir. Je vous jure, c'est oufissime. Pas facile non plus le morceau qu'ils me mettent. Steins Gate. Ouais, je trouvais que le morceau qu'ils nous ont mis était vraiment pas facile, pour le coup. Parce que bon, c'est surtout le refrain ici qui est assez facile. Tokyo Ghoul, évidemment. Desperado. Ouais, le morceau était pas facile non plus de Desperado. Il y a des openings comme ça, ils mettent pas forcément le refrain. Et ce qu'on retient le plus, évidemment, c'est le refrain. Et là, très clairement, c'était pas trop le cas. Ah, je crois que c'est terminé. Effectivement, c'est terminé. Merci d'avoir regardé. Bon, je vais couper au cas où la musique qui met à la fin est copyright. Du coup, eh bien, écoutez, on va se laisser là pour ce petit quiz d'opening d'animé. N'hésitez pas à dire, eh bien,
combien est-ce que vous avez trouvé sur 20 openings? Bon, ils étaient pas très compliqués. J'ai eu 3 fautes, si je me trompe pas. Ils étaient pas bien compliqués. C'était des trucs assez connus. Il y avait par contre des animés un petit peu plus vieux. Donc c'est vrai que pour les plus vieux, ça peut. Enfin, ça peut être chaud pour ceux qui étaient plus vieux, du coup. Mais sinon, en gros, ils étaient quand même assez simples. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu si c'était le cas. Si vous voulez d'autres vidéos comme ça, n'hésitez pas à le dire pendant que je galère à parler pour la fin. N'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Je pourrais faire ça un petit peu plus souvent parce que c'est vrai que je fais ça tous les 6 mois. Donc, voilà, mais je trouve ça sympa. Moi, je trouve que c'est un truc que j'aime bien faire, justement, deviner des openings. Et puis, vous êtes beaucoup à participer, c'est ça qui est cool. Sur ce, je vous laisse là. Je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, bye bye!